Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette méditation dédiée à la pleine lune du 16 février 2022. Cette pleine lune se passe dans le signe du lion. Et si tu connais un peu l'astrologie, le lion est un signe solaire, rayonnant, vivant. C'est un signe qui est associé à la lumière, mais aussi à l'amour. Et coïncidence au hasard du calendrier, eh bien, elle tombe pratiquement concomitamment au 14 février et à cette journée qui est dédiée à l'amour, pour moi, sous toutes ses formes, pas uniquement l'amour amoureux. Alors, je vais t'inviter, si ce n'est pas encore fait, à t'installer confortablement pour profiter de cette méditation au mieux. Bien entendu, tu peux méditer en position assise ou allongée selon ton ressenti du moment. Je vais t'inviter aussi à t'assurer que tu ne seras pas dérangé pendant ces quelques minutes, à prendre tout ce dont tu as besoin pour ton confort et surtout t'assurer que tu ne vas pas avoir froid, puisque généralement la détente fait refroidir le corps, baisser sa température générale. Même si ce n'est que de quelques degrés, cela fait une petite différence. Et une fois que tu seras parfaitement bien installé, je t'invite à laisser ta respiration s'apaiser. Lors de ta prochaine expiration, laisse l'air s'échapper complètement de tes poumons. Et inspire en remplissant complètement tes poumons d'air, sans forcer. Et à chaque expiration, tu vas laisser tout l'air dans tes poumons s'échapper, de manière à ce que tes inspirations soient un peu plus amples, un peu plus profonde. Et que tu puisses trouver une détente, un relâchement, rien qu'en suivant le rythme de ta respiration. Tu inspires calmement, lentement et consciemment. Tu expires profondément et tout aussi consciemment. Naturellement, tu sens ton corps se détendre, occupé de plus en plus d'espace, là où tu es installé. Et une fois que tu auras trouvé un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien, je vais t'inviter à parcourir ton corps avec tes inspires et laisser tes expirations détendre ce qui a besoin d'être détendu, créer de l'espace là où c'est nécessaire, que ce soit systématiquement, en commençant par le bout des doigts ou les orteils, ou au contraire en commençant par poser tes inspirations là où tu en ressens le besoin,
et en laissant tes expirations dénouer ce qui a besoin d'être dénoué. Le corps se détend. Les battements de ton cœur s'apaisent. Le monde extérieur s'efface, ainsi que tous les bruits qui, bien loin de t'empêcher de profiter de ce moment, t'invitent au contraire à rentrer encore plus en toi. Tu es dans un espace de sérénité, de relâchement, de bien-être. Pendant les prochaines minutes, je vais t'inviter à chercher la lumière qu'il y a en toi. Qu'il s'agisse d'une petite étincelle de lumière, d'une petite flamme ou d'un grand feu. Cette lumière, c'est ta force intérieure. Ta confiance en toi, c'est ta joie de vivre, c'est aussi ta joie tout simplement. Laisse la chaleur et la lumière. Cette étincelle, de cette petite flamme ou de ce feu rayonner en toi. Laisse-les grandir, prendre de plus en plus de place. Connecte-toi à ces émotions de joie, de chaleur, de liberté. Connecte-toi à ce sentiment que tu pouvais avoir enfant, cette joie simple. Et pur qui émane de cette partie de toi qui est toujours un enfant. Cette joie sereine et confiante, cette joie libre que nous avons tous et toutes ressenti à un moment de notre vie. Et laisse cette joie t'inonder, te remplir et pénétrer chacun de tes pores,
chacune de tes cellules, jusqu'à ce que tu sentes que tu vibres cette joie, que tu vibres cette chaleur, cet amour, ce sentiment de liberté et de légèreté.
il est temps à présent de commencer à rassembler toute cette joie, toute cette chaleur, toute cette énergie positive dans un petit coin de ton cœur, là où tu sais qu'elles vont irradier et te permettre de continuer à rayonner encore pendant les prochaines heures et les prochains jours. Petit à petit, je vais t'inviter à revenir vers une respiration un peu plus ample, un peu plus profonde. Une respiration qui va te permettre de revenir doucement vers ton corps, de reprendre conscience de ces points de contact avec le sol, des bruits extérieurs. Et avec beaucoup de douceur et de lenteur, de venir amener le mouvement dans ton corps en prenant tout le temps dont tu as besoin. Peut-être même, si tu le souhaites, en ramenant les mains au-dessus de la tête pour t'étirer complètement. Quand le moment te semblera venu, tu pourras, si tu es en position allongée, reposer un pied puis l'autre sur le sol. Peut-être ramener les genoux vers toi ou te laisser rouler sur le côté. Et où que tu sois, prends quelques instants pour observer ce que cette méditation t'a apporté. N'hésite pas à la refaire si tu as encore besoin de faire le plein de belles énergies jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 18-19 février. Si tu ressens le besoin de prendre encore quelques respirations conscientes avant d'ouvrir les yeux, sens-toi libre de le faire. Tu entends juste la fin de cette phase de réveil ou que tu t'es endormi. Eh bien, bonne nuit. Merci d'avoir suivi cette méditation. J'espère qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura un petit peu réchauffé. Et puis, belle pleine lune. Je te dis à très bientôt. Merci pour tes partages. Merci pour tes petits pouces bleus. Et merci de t'être abonné à la chaîne.